Salut monde de gourmands. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, on cuisine pour Naruto. On va faire coquillettes jambon. Comment se passe ton confinement ? J'ai beaucoup de chance, mon confinement se passe relativement bien. Là, en cinquième semaine, ça commence à tirer, c'est pas faux. La seule différence par rapport à mon planning de travail habituel, c'est que là, j'ai un enfant de 2 ans à gérer et à intégrer à ce planning-là, donc c'est parfois un petit peu sport. Beaucoup de Skyrim, oui, c'est un jeu sorti en 2011 et oui, c'est toujours une référence. Voilà. Là, j'attends Valorant. J'attends d'avoir ma petite clé à Valorant pour essayer de me faire déchirer sur Valorant. On a énormément besoin actuellement d'être diverti et de ne pas se sentir seul grâce aux plateformes qu'on connaît, grâce aux plateformes que je pratique. On se retrouve avec cette communauté, on n'est pas seul et on peut plutôt discuter et passer un bon moment. Moi, j'ai énormément de chance ces temps-ci. La chaîne Twitch se développe beaucoup, ma communauté se développe beaucoup et on essaye de rester énormément dans la bienveillance. Et le jeu vidéo, c'est un bon prétexte à ça, être dans la bienveillance et être ensemble. J'ai pas trouvé le vaccin là contre le Covid. J'ai pas cousu des centaines de masques. À travers la cuisine avec GastronoGeek, moi j'essaye de créer des plats inspirés par les cultures de l'imaginaire et donc inspirés en bonne partie par les grandes références vidéoludiques. Comment j'aide, moi, c'est en apprenant aux gens à travailler avec ce qu'ils ont dans leur placard. Voilà mon humble et minime participation à tout ça. Ça n'a jamais été aussi important de faire attention à soi et de faire attention à ses proches. Prenez contact avec vos proches aussi le plus souvent possible. Ne restez pas seul, bien que vous soyez entre quatre murs. Vous n'êtes pas seul, la technologie ne vous permet de ne pas être seul. Et puis, bah, restez chez vous, bordel. Restez confiné le temps que ça durera. On va serrer les dents tous ensemble. On va s'en sortir tous ensemble. On va jouer au jeu tous ensemble. Et ça va bien se passer.